Voilà, donc je prends le relais de notre ami Robert Pierron pour l'animation un petit peu de ces deux nouvelles interventions. Donc je vous remercie tout d'abord hein, à tous les deux d'être présents. Et donc je vais passer la parole à Pierre-Yves Modicom, hein, qui est enseignant-chercheur à l'Université Bordeaux-Montaigne et qui va nous présenter donc un exposé, et puis ensuite on échangera ensemble, sur l'universalisme introuvable. Horkheimer, Adorno. Alors, ce sont deux noms que moi je connais, mais dont je ne connais pas forcément l'œuvre. Donc, ça va être une façon de découvrir aussi tout ça ensemble. À toi, Pierre-Yves. Merci Dominique. Donc, on va effectivement s'intéresser à deux textes de deux penseurs marxistes représentatifs et représentants éminents de la première, ce qu'il est convenu d'appeler la première génération de l'école de Francfort, dans la théorie critique, qui est une branche particulière du marxisme allemand assez importante. Au XXe siècle, l'école de Francfort existe encore, n'a plus de. Les principaux représentants, c'est Jürgen Habermas pour la deuxième génération et je ne connais que lui, Axel Honneth pour la troisième génération, même si Honneth en particulier n'a plus de marxiste que le nom et encore, c'est tout juste s'il l'emploie. Alors, le point de départ de cet exposé, c'est un constat. Dans les discours qui émanent du camp, oui, de ce qu'on peut appeler un camp universaliste traditionnel, en tout cas dans la gauche française se revendiquant de l'influence de Marx, qui est, je le dis tranquillement, le camp dont je suis issu, hein, mais précisément être issu de quelque part, ça veut peut-être aussi dire qu'on en est sorti et j'ai un certain nombre de points de malaise vis-à-vis de ce discours traditionnel, souvent très défensif de l'universalisme à gauche, pour ne pas dire souvent assez geignard sur le thème « il y a un grand complot anglo-saxon contre l'universalisme français », avec une façon de territorialiser au passage les options idéologiques qui me paraît quand même assez antithétique de l'universalisme. Bon. Et dans ce discours, bon, parfois assez déplaisant de certains camarades, hein, par ailleurs universalistes, il y a une espèce de formule qui revient régulièrement sur le thème que, bien sûr, hein, on est ouvert, et la critique interne de l'universalisme, ça va de soi, est tout à fait possible. C'est présenté comme une évidence, sauf qu'en fait, à part deux ou trois auteurs comme Alain Policard ou Alain Renaud, cette critique interne de l'universalisme, elle n'est jamais produite. À se demander donc s'il y a là autre chose en réalité qu'une posture servant à disqualifier les critiques de l'universalisme, y compris peut-être les vraies critiques internes, en les extériorisant et en disant que, mais attention, on n'est pas sectaire, une vraie critique interne, nous l'accepterions. Un autre point important et qui est lié en réalité, c'est qu'il y a, je pense, j'ai ce sentiment en tout cas, depuis quelques années, récemment, une sorte de regain d'intérêt pour l'école de Francfort et pour la théorie critique dans la philosophie sociale récente, y compris d'ailleurs autour de ce terme de philosophie sociale. Hein, je pense à Frank Fischbach, qui est une grande figure de la philosophie marxiste contemporaine et qui se revendique d'une philosophie sociale et de l'influence de la théorie critique et de l'école de Francfort. Et dans ces discussions, ces deux discussions que je viens de citer, il y a une centralité croissante de la figure de Horkheimer. Et en particulier, de l'ouvrage qu'il a coécrit avec Adorno, qui s'appelle Dialectique der Aufklärung, mal traduit en français par Dialectique de la raison. La traduction techniquement la plus exacte serait Dialectique des Lumières, en pratique ce qu'ils appellent les Lumières. Aufklärung, c'est un mot qui désigne un processus en réalité, y compris c'est aussi un terme du vocabulaire policier, c'est l'investigation. Donc, la traduction la plus exacte, mais un peu lourde, ça serait sans doute Dialectique de l'investigation rationnelle. Et en fait, Horkheimer est à la fois,
c'était historiquement la vraie figure centrale de la première génération de l'école de Francfort. C'était le patron de l'Institut de recherche sociale de Francfort qui était la base de cette école, y compris le patron, enfin, il avait la haute main sur les recrutements et sur les finances. Il a eu un rôle crucial puisque c'est aussi le premier grand intellectuel de gauche allemand à avoir compris dès 1930 que les carottes étaient cuites et qu'il allait falloir envisager de s'exiler à brève échéance dans la mesure où l'arrivée au pouvoir d'une dictature d'extrême droite était plus que probable. Et donc, il a fait quelque chose d'assez inouï qui a consisté à organiser un montage financier pour déplacer l'argent et les ressources de son centre de recherche à l'étranger pour permettre une émigration collective du centre. Donc, c'est l'organisateur et l'intellectuel organique de cette mouvance dans l'entre-deux-guerres. Et Dialectique der Aufklärung, 1945, c'est son champ du cygne intellectuel, même s'il a par ailleurs encore 25 ans de carrière, mais il n'y a pas d'œuvre dans ces 25 ans. Donc c'est une espèce de point d'aboutissement précoce, étrange, sur fond de désastres généralisés, d'images des camps de la mort qui arrivent dans l'opinion publique américaine, puisqu'il est exilé aux États-Unis. Et Horkheimer, donc, c'est la figure. Il est en train d'être redécouvert en France. Il était resté central ailleurs, hein, mais en France, il a été éclipsé notamment par Adorno et par Benjamin dans la réception. Il est un peu en train d'être redécouvert en France, à la fois dans le sillage de ce regain d'intérêt critique hein, pour l'école de Francfort et dans les discussions sur la critique de l'universalisme, puisque ces textes de 45. Seul ou avec Adorno, sont un morceau de choix dans la critique de gauche de l'universalisme. Alors là, je vous mets à l'écran le dernier ouvrage de Satis Kouvelakis qui s'appelle « La critique des faits, émergence et domestication, la théorie critique ». Le sous-titre est tout un programme. L'émergence, c'est Horkheimer. La domestication, c'est Habermas, c'est Honneth. C'est la grande thèse hein, de l'ouvrage. Mais sur Horkheimer, la thèse de Kouvelakis, c'est justement que au terme de son parcours, en gros, de socialiste révolutionnaire anti-stalinien dans l'entre-deux-guerres, il se trouve face à un champ de ruines total, en 1945, qui débouche sur ces deux textes extrêmement noirs que je vais analyser dans cet exposé, qui sont donc Dialectique des Lumières et L'éclipse de la raison. Et ces deux textes, ils sont aussi, enfin, notamment Dialectique des Lumières, donc celui qui est commun avec Adorno, coécrit avec Adorno, il est aussi au premier banc des accusés de l'ouvrage que vous avez ici à l'écran, La gauche contre les Lumières, point d'interrogation de Stéphanie Rosa, qui est un pamphlet chez Gallimard, donc par une spécialiste de la réception des Lumières au XXe siècle, et qui donc explique que c'est vraiment scandaleux parce qu'aujourd'hui, des pans entiers de la gauche sont irrationalistes, anti-progressistes et anti-universalistes, Dixit. Donc c'est, bon, c'est aussi un assez bon exemple hein, de cet universalisme géniard, je trouve, personnellement, qui dit à nouveau, la critique interne de l'universalisme, je suis pour, mais les autres critiques, je suis contre. Et Dialectique der Aufklärung est cité comme la matrice de la gauche anti-lumière. Ce qui correspond effectivement à quelque chose dans ce sens où cet ouvrage et Éclipse de la raison vont avoir une grande influence sur les éléments de l'école de Francfort qui sont restés aux États-Unis, notamment Marcuse. Or, Marcuse est effectivement une figure centrale dans la formation de la gauche extra-parlementaire dans les années 60-70 aux États-Unis. Il y a une filiation partielle de Horkheimer vers l'écoféminisme, vers certains mouvements alternatifs de la nouvelle gauche américaine. Ça, c'est vrai. Donc là, c'est la petite photo. Donc, le plus vieux des deux, c'est Horkheimer, c'est le patron de la première génération. Adorno était son brillant second, va prendre sa suite à la tête de l'Institut pendant une dizaine d'années. Donc Adorno, c'est l'autre à qui Horkheimer serre la main, ils sont en premier plan tous les deux. Et vous avez les brillants second couteau au deuxième plan et celui qui se passe la main dans les cheveux, qui a des grosses lunettes, là, au fond, à droite, c'est Jürgen Habermas. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de deux textes. Le premier, je l'ai évoqué, c'est Dialectique der Aufklärung, qui, au départ, est une longue contribution écrite un peu à l'arrache pour un volume de mélange
pour un collègue exilé, ami à Horkheimer et à Adorno. Bon, le truc devient trop important et finalement publié à part, mais comme une espèce de brochure. Est republié en 1947 par un éditeur néerlandais, mais ça reste totalement confidentiel. Et il y a eu une republication dans un contexte très particulier dans la deuxième moitié des années 60. Et là, ça fait un tabac. Ça fait un tabac parce que dans Dialectique der Aufklärung, il y a un chapitre sur les industries culturelles qui est une critique. C'est daté 1945 et en fait, c'est Guy Debord. C'est une critique vraiment saisissante de la société du spectacle et de la société de consommation qui préfigure tout ce que Boltanski et Capello vont appeler ensuite la critique artiste du capitalisme. Et donc, ça devient une espèce de bible de l'opposition extra-parlementaire, notamment en Allemagne. Et donc, en fait, c'est l'un des grands textes de référence du mai 68 allemand. Alors même que institutionnellement, ce mouvement étudiant est dirigé contre Adorno, qui est en fait un affreux mandarin abominable. Ils ont fini, c'était des libéraux de guerre froide. D'accord ? Donc, c'était des sociodémocrates viscéralement anti-soviétiques et donc très, très réticents à la redécouverte de leur œuvre radicale de jeunesse par la jeunesse radicale des années 60. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la republication allemande, ou la publication allemande d'Éclipse de la raison, donc ouvrage de Max Horkheimer seul, qui était paru en anglais. Il a été rédigé en anglais en 1947 sous le titre Eclipse of Reason. Il a été traduit en français, introuvable aujourd'hui, sous le titre Éclipse de la raison. C'était en fait une suite de conférences qu'il a données dans des universités américaines, d'où un caractère un peu fragmentaire, comme pour Dialectique der Aufklärung. Et les deux textes sont vraiment extrêmement proches. Les conférences ont été prononcées en 1945. Hein. Il dit dans la préface que c'est un pendant à Dialectique der Aufklärung. Et donc, Horkheimer, en catastrophe, quand il voit que tous ces textes de sa jeunesse gauchiste sont en train, qu'il a renié, hein, sont en train d'être publiés de façon pirate, décide sur ses vieux jours de faire une édition de ses œuvres complètes, qu'il contrôle lui-même. Il commence par Éclipse de la raison, qu'il fait traduire en allemand par un de ses assistants, publié sous le titre Critique de la raison instrumentale en 67, assorti de petits textes ultérieurs qui visent à en biaiser l'interprétation, à enlever une partie de la charge explosive du texte. Il y a une entreprise éditoriale, là, très politique, de Horkheimer, et le titre lui-même, hein, Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, est un énorme renvoi à Kant. Hein, critique de la raison pure et critique de la raison pratique sont en allemand Zur Kritik der reinen Vernunft et Zur Kritik der praktischen Vernunft. Donc, en fait, il installe un dialogue avec Kant, y compris dans les petits fragments ultérieurs, dialogue qui n'est pas si central que ça dans le texte d'origine lui-même. Il y a un choix politique, là, de manipulation un peu du texte. Moi, je parlerai uniquement des textes 45, dans ce que je vais raconter là. Donc, là, vous avez à gauche la première édition de l'édition européenne de Dialectique der Aufklärung en 1947. Et là, vous avez l'édition, à côté l'édition actuelle de référence avec à nouveau la tête d'Horkheimer et celle de Adorno. Et là, c'est l'éclipse de la raison, l'édition anglaise originale et l'édition allemande originale 20 ans plus tard. Alors, la thèse centrale de Dialectique des Lumières, mais qui est grosso modo aussi celle d'Éclipse de la raison, c'est que l'entreprise d'Aufklärung, on va dire investigation rationnelle, est une entreprise à la fois et indissolublement émancipatrice et dominatrice. Cette double nature correspond à un paradoxe qu'ils identifient à partir d'un texte majeur de Francis Bacon, qui est voilà, l'un des pères de la modernité scientifique au début du XVIIe siècle. Bacon dit, au fond, notre pari de scientifiques expérimentaux, c'est dominer la nature en se soumettant à ses lois. Et ce qui est fondamental, c'est un principe, une thèse caractéristique de l'investigation rationnelle, qui est que la raison, c'est ce qui identifie des lois à la fois naturelles et universelles. Ça, c'est un libellé kantien. À nouveau, hein, donc l'ancrage
rationaliste, il est très net. Et de ce point de vue, ça qui est intéressant, c'est que on voit mal comment on peut dire que ce n'est pas une critique interne. Dans la mesure où toutes les références mobilisées, la façon même, il y a une espèce de kantisme, beaucoup plus que de marxisme en fait, ostentatoire dans le propos de Horkheimer et Adorno, qui inscrit vraiment ces textes dans la filiation rationaliste. Alors, dans Dialectique des Lumières, vous avez plusieurs grands temps, hein, c'est un texte composé de fragments un peu isolés, les quatre grands temps, vous les avez ici. La naissance de cette façon de penser telle qu'elle est documentée en Europe, selon eux, par l'Odyssée d'Homère. Alors, je vous épargne les passages absolument grandioses sur le rocher des sirènes, etc. Bon, c'est fascinant, c'est très marxiste, c'est très idéaliste, c'est totalement délirant à bien des égards, mais ça pose un concept voilà, assez fascinant, hein, une espèce d'histoire intellectuelle de la raison. Ensuite, on en vient aux Lumières, quand même, comme moment paroxystique de cette entreprise, où on voit qu'à force, la raison progresse, son emprise progresse, elle défait le sujet, l'individu lui-même, le réduit au cogito cartésien, puis au jeu grammatical de Kant, qui est, dans sa vie empirique, totalement inféodé à des lois rationnelles, qui sont des lois universelles, qui sont des lois de nature, mais qui sont purement formelles. Et donc, on arrive à un point de bascule dialectique qui est incarné par trois noms, Kant, Sade, Nietzsche. Kant arrive au point de bascule, et donc c'est la grande thèse, hein, dans la réception allemande de Kant. Kant est l'homme qui voit l'effondrement du monde antérieur et qui recule. La critique de la raison pure, c'est la première édition, c'est l'effondrement du monde. Tous les textes ultérieurs, toutes les rééditions ultérieures servent à réparer les dégâts. Bon. Heidegger dit la même chose, hein, mais c'est pas le seul, c'est vraiment une grande thèse dans la réception de Kant, qui est très controversée par ailleurs, mais c'est un point de vue interprétatif répandu. Sade est celui qui franchit le seuil, et Nietzsche est celui qui franchit le seuil un siècle après, mais comme il est décorrélé historiquement et matériellement des conditions d'émergence de cette bascule, il ne se rend pas compte, il est en train de rejouer Sade. Alors c'est très intéressant sur Sade, donc d'abord ça a été repris par d'autres indépendamment, cette idée que quand Sade, il y a quelque chose, et puis bon, ceux qui ont lu La philosophie dans le boudoir en particulier, enfin, notamment le fragment « Encore un effort pour être républicain », ne peuvent pas ne pas être frappés par le caractère très très contradictoire du discours de Sade, complètement autoritaire, pré-totalitaire, monstrueux à certains égards, et en même temps, tout ça sur un fond qui fait que Sade est aussi une grande source d'inspiration pour les anarchistes, ce qui est quand même paradoxal, quoi. Donc, ils arrivent à démêler cet écheveau-là. Ensuite, il y a le fameux chapitre sur les industries culturelles contemporaines qui explique que la vie sociale, la vie individuelle, la vie psychique aujourd'hui a été rationalisée et stéréotypisée, réduite à des styles de vie. L'individu exprime un style de vie qui est lui-même conçu par les industries culturelles et les industries du spectacle comme un système de moyens au service de l'ordre établi et de son air qui est la consommation. Hein ? Et puis le quatrième chapitre, celui dont je parlerai le plus, est consacré à l'antisémitisme. On est en 45, hein, comme manifestation de la capacité innée de l'ordre rationnel et prétendument universaliste moderne à sécréter le racisme et l'extermination des minorités ethniques et religieuses. Dans Éclipse de la raison, vous avez grosso modo les mêmes motifs avec une distinction conceptuelle particulière, propre à Horkheimer, où Horkheimer oppose ce qu'il appelle la rationalité objective et la rationalité subjective qui culminerait dans la rationalité instrumentale. La rationalité objective, c'est l'idée qu'il y a un ordre rationnel immanent des choses et que la raison nous donne des moyens de penser des finalités morales qui sont rationnellement bonnes. Il y a le bien, il y a une rationalité du bien, il y a une rationalité du juste, une rationalité du vrai, etc., qui est inscrite dans l'ordre des choses, par opposition à la rationalité subjective, qui est la rationalité fonctionnelle, qui est une rationalité qui ne se pose pas la question des fins, qui est strictement pragmatique et donc se pose la question des meilleurs moyens pour arriver aux fins qu'on est libre de se donner.
D'où le fait que dans sa variante radicale, la rationalité subjective soit une rationalité instrumentale, c'est-à-dire une rationalité qui refuse de s'interroger sur la raison des fins, sur la nature des fins, et raisonne uniquement en termes de capital pragmatique et de combat pour la survie et l'optimisation des moyens dont on dispose. Et sa grande thèse, c'est que l'histoire intellectuelle de l'Occident, c'est l'histoire de la fonctionnalisation, de la subjectivation progressive de la raison et de la rationalité, au bout de laquelle il y a le règne incontesté de la rationalité instrumentale sous ces deux versants, qui sont le totalitarisme et le pragmatisme. Le pragmatisme étant une espèce d'assèchement de la vie intellectuelle pour des fins consuméristes, là où le totalitarisme est une destruction de l'individu au nom d'un ordre collectif rationnel. De ce point de vue, en fait, il rejoint assez Max Weber sur le désenchantement du monde, ce genre de choses. C'est une thématique conservatrice assez proche. Alors, ce qui est frappant, c'est que, évidemment, dans ces conditions, la problématique de l'universalisme, elle est centrale. Et le lien que fait Stéphanie Rosa, par exemple, entre critique du rationalisme, du progressisme et l'universalisme, oui, il y est dans le texte. Ou plutôt, on a le sentiment qu'il y est, mais la catégorie est absente. Il n'est pas explicitement question d'universalisme dans ce texte, dans ces deux textes, à aucun moment. Le mot universel n'est pas cité. Alors on voit bien que c'est totalement incontournable, notamment dans Elementum des antisémitismus, qui est donc le dernier élément de l'antisémitisme, qui est le dernier chapitre de Dialectique des Lumières, mais ça n'est pas cité. Ce qu'on trouve par contre à Tirlarigot, c'est l'adjectif allgemein, qui veut à la fois dire général et universel en allemand. Et la tension entre général et universel comme interprétation de Allgemein, en fait, c'est une des grandes tartes à la crème de l'idéalisme allemand. Donc, à nouveau, là, on a un ancrage dans les débats entre Kant et Hegel, cette tradition-là. Et Allgemein, c'est l'adjectif que Kant utilise pour décrire les lois rationnelles, etc., etc. L'universel, tel qu'il est mobilisé dans ces textes, c'est l'universel logique, en fait. Et l'universel logique, en allemand, c'est Allgemein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette circulation terminologique qui se joue à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, Allgemein correspond aussi parfois effectivement au général, et notamment à la volonté générale rousseauiste et à l'intérêt général républicain qui se disent en allemand avec l'adjectif Allgemein. Donc, la volonté universelle et l'intérêt universel. Il y a un jeu sur ça qui va intervenir à plusieurs moments dans les textes. Alors, que se passe-t-il ? Pour Horkheimer en particulier, la caractéristique majeure de l'investigation rationnelle, c'est la déconstruction des cadres immédiats de l'expérience et de la socialisation. Dans cette déconstruction, l'émergence de la notion de sujet rationnel est l'étape cruciale. Et donc derrière, on a l'individu. Et le problème, c'est que l'individu, il émerge grâce au rationalisme, mais il est aussi détruit par le rationalisme, puisqu'au fur et à mesure, la subjectivation et la fonctionnalisation de la raison vont montrer l'assujettissement de l'individu aux lois de la nature. Alors, leur grande thèse, notamment chez Horkheimer, c'est que la notion d'individu doté de droits propres irréductibles, avec une identité propre, qu'il appelle donc le « soi », terme strictement hegelien, est liée à l'émergence de la propriété privée. Bon, à nouveau, c'est la figure d'Ulysse qui symbolise ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va comparer Socrate et Platon dans son analyse de la Grèce. Il va dire, en fait, Socrate, c'est le moment révolutionnaire de l'universalisme rationnel, et c'est un moment relativiste. C'est un universalisme relativiste. Parce que pour être émancipateur, à un moment donné, il faut oser nier le donné concret, le prétendu donné prétendument concret, qui est en fait le mythe que l'ordre établi soit un ordre naturel. Et Socrate, en tant que sophiste relativiste, ce qu'était le vrai Socrate, il détruit ça, et donc c'est un révolutionnaire rationaliste émancipateur.
Au bout de l'attitude socratique, il y a l'attitude stoïcienne de négation de l'ordre établi, d'universalisme abstrait propagé contre les cadres de domination, etc., et de quasi-ermitage. Et en fait, c'est une attitude totalement contradictoire, exemplaire des premières contradictions de l'idéologie bourgeoise, puisque c'est très gentil de dire qu'il faut se retirer de l'ordre établi, etc., mais cette idéologie, elle est professée par des hommes propriétaires d'esclaves. Foncièrement xénophobes, il y a les Grecs et il y a les autres, et puis qui asservissent leurs femmes et leurs enfants de façon absolument scandaleuse, quoi. Et en fait, si on appliquait réellement leur mode d'ordre universaliste, leur société s'effondrerait. Ce qui nous renvoie aux deux attitudes possibles du rationalisme, celle qui obéit à la rationalité objective et qui donc, au nom de la naturalité de la vérité, va questionner la fausse naturalité des cadres de socialisation. Et donc, elle est intrinsèquement révolutionnaire, c'est la rationalité socratique. Avec ça de particulier qu'en fait, elle a un côté sophistique, hein. Et en face, on a une rationalité subjective qui ne pose pas la question des finalités, mais celle des moyens pragmatiques, et elle mène tout droit au conformisme institutionnel. Ce moment conformiste, il est conservateur, en fait, c'est Platon, c'est Aristote, etc. C'est ce que Horkheimer interprète comme une tentative de réparation des dégâts causés par Socrate. Donc les contradictions se poursuivent. J'insiste pas là-dessus, j'en viens à ce qui est très intéressant, ou le plus intéressant à mon avis, du point de vue de l'universalisme, qui est la critique du pseudo-universalisme chrétien dans les éléments de l'antisémitisme, avec une thèse qui me dérange, hein, qui est qu'au fond, un chrétien cohérent est forcément antisémite. Alors, pour ça, comparaison entre le judaïsme et le christianisme. Le judaïsme, dans sa variante initiale, mosaïque, pose une opposition radicale entre le soi, l'esprit, qui va s'incarner par YHWH, hein, Yahvé, mais celui qui dit je suis. Je suis celui qui est, donc le soi, qui s'oppose radicalement au monde, tout en posant des lois qui soumettent le monde et la vie sociale. Alors on renonce à l'universalisme fonctionnel, c'est le dieu d'une tribu, mais par ailleurs, il y a un ordre rationnel immanent. On a une tension, là, une contradiction. Cette tension donne lieu à un travail dialectique de subjectivation, de fonctionnalisation et d'universalisation qui débouche à la phase prophétique du judaïsme tardif, dont le christianisme n'est qu'une branche en réalité. Ce pas universaliste est définitivement franchi par les théories chrétiennes de la grâce, notamment par saint Paul, lorsqu'on renonce à être juif et qu'on dit le christianisme, ça devient la religion de tout le monde, la religion des gentils. Ce faisant, le christianisme fournit un cadre idéologique qui reprend les positions stoïciennes en dépassant les contradictions sociales et matérielles immédiates pour les adapter au nouveau cadre politique, économique et institutionnel de l'Empire romain prétendument universel. Alors, il fallait comprendre quand même que là-dedans, il y avait, au-delà du caractère jaloux de ce Dieu dans l'Ancien Testament, était très rassurant parce qu'il fournissait une rationalité objective au sens technique du terme, immanente aux pratiques sociales et aux rapports de production en particulier, puisqu'il y avait des garants de la loi qui étaient les prêtres. Tout ça est cassé par le christianisme en tant que règne de, notamment chez saint Paul à nouveau, hein, le règne de l'esprit contre le règne de la loi. Et alors la thèse, hein, de Dialectique des Lumières, c'est qu'en fait, le christianisme, c'est le parangon de l'universalisation ratée. C'est-à-dire qu'on hypostasie le donné concret immédiat, on l'absolutise et on le proclame universel. Sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Cette médiation merveilleuse entre l'humain et le divin, le soi et la nature, etc., donc le dépassement de la contradiction du judaïsme mosaïque, en fait, ça n'est jamais que le mécanisme du sacrifice du sorcier par un bouc émissaire qui est quelque chose de littéralement préhistorique. Et donc, en fait, ça, à parier au fameux rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, qui détruit l'immanence de la rationalité à la loi, aboutit à créer des problèmes, puisqu'en fait, tout le système repose sur une théorie de la grâce qui promet un salut universel, tout en sachant très bien qu'il ne peut pas le garantir.
Et donc, toutes les scissions théologiques du christianisme liées à la théorie de la grâce, ça concerne essentiellement, évidemment, la scission du protestantisme. On a affaire à des juifs allemands. Hein. Elle est liée à ça. Elle est liée à cette question de l'incapacité du christianisme catholique à trouver un moyen de garantir sa promesse du salut autre que des petits rituels magiques, hein, idolâtres, qui précisément incarnent l'absolutisation du fini, l'individualisation du salut à des petites pratiques individuelles à la petite semaine, qui nous renvoient en fait à une régression intellectuelle vers la magie. Donc, au final, un chrétien, le protestantisme prétend résoudre ce problème, il n'y arrive pas, notamment pas le luthéranisme. Et donc, au final, un bon chrétien, quand il tombe sur un juif, rencontre son remords. Le remords de la promesse non tenue d'universalisation. Et le juif renvoie le chrétien au mensonge constitutif du christianisme. D'où la haine. Je passe ça. Sur, même si c'est intéressant le truc sur le caractère très capitaliste du lien entre privation momentanée ici-bas et salut éternel. C'est une logique bancaire, hein. C'est l'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est que cette universalisation ratée par le christianisme, qui génère l'antisémitisme, elle est rejouée en 45-47, hein, quand les textes sont écrits et publiés, par l'universalisation ratée de la société de consommation et de la stéréotypisation de la vie sociale, l'objet du chapitre sur les industries culturelles. On a atteint aujourd'hui, pour Horkheimer, une conception du monde où la vie dans les pays occidentaux serait sous-tendue par une sorte d'esprit objectif prétendument rationnel, mais qui en fait n'est absolument pas la rationalité objective telle que définie plus haut. C'est une rationalité strictement pragmatique. C'est en fait la raison instrumentale, érigé en principe général d'organisation du social, au service de l'ordre établi, au service des rapports de domination dans la production. Elle réduit les individus aux, citation d'Horkheimer, les produits de leur propre publicité. Un individu est aujourd'hui le produit de sa propre publicité, du marketing de soi-même. Parallèlement, l'intégration des sphères sociales a progressé. Les deux sphères qui disposaient jusque-là d'une forme d'autonomie relative vis-à-vis des règles générales de l'ordre dominant ont été intégrées. Ces deux sphères, c'est la sphère des intellectuels. Et l'autre, c'est le prolétariat. Et ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, la vision de l'intégration du prolétariat, elle est très tributaire du contexte fordiste, avec notamment aux États-Unis un syndicalisme corporatif, fondamentalement à l'époque, très puissant, encore très puissant à l'époque. Et donc, il y a des managers du prolétariat qui sont les chefs des syndicats corpaux. Et donc, en fait, ce passage est très intéressant parce que, donc là, c'est chez Horkheimer dans Eclipse de la raison, hein. En fait, en creux, c'est une critique de la grande tradition hegeliano-marxiste de la classe universelle. Hegel disait la fonction publique, c'est la classe universelle parce que par son concept, elle n'a pas d'intérêt particulier distinct de l'intérêt général. Vous vous rappelez, l'intérêt général en allemand, c'est l'intérêt universel. Et donc, la classe dont l'intérêt est l'intérêt général, c'est la classe universelle. Donc, c'est une théorie qui est très critiquée dès le 19e siècle. Alors, elle est sauvée par certains hegeliens en disant non, la classe universelle, c'est les intellectuels, et notamment les profs, parce qu'ils sont salariés de l'État. Donc, on garde quand même la petite idée hegelienne de le salarié de l'État est garant de l'universel. Bon. Et puis, les marxistes initiaux, notamment Marx vers 1944, hein, disent c'est le prolétariat, la classe universelle, parce que c'est la classe qui est définie par sa privation. Et donc, comme le prolétariat est privé de tout, il n'a pas d'intérêt particulier à défendre, il n'a que l'intérêt général à défendre. Cela en fait la classe générale ou universelle, puisqu'on ne distingue pas les deux terminologiquement. Et donc, en fait, Horkheimer montre que c'est fini, cette époque. Cette définition ne tient plus. Il n'y a plus de classe universelle. Il y a peut-être certains secteurs du prolétariat occidental, mais en fait, c'est le lumpen, ce qui est un peu gênant d'un point de vue marxiste. C'est les peuples colonisés. Les minorités ethniques et les immigrés prolétariens exploités par les patrons dans les pays occidentaux. Eux, ils n'ont rien. Donc, eux, peut-être qu'ils ne sont pas assez intégrés au système des besoins, mais pour le reste, l'affaire est finie. C'est pour ça que c'est un texte très noir. Hein. On
a envie de tirer le rideau hein, après ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une place du racisme dans ce système-là. Dans ce système-là, le bon libéral, émancipé, universaliste, éclairé, considère que les juifs, le problème juif, l'antisémitisme, bon, en fait, tout ça, c'est juste une affaire de pluralisme religieux et de tolérance religieuse un peu laborieuse, c'est quand même un peu pénible, et c'est quand même en partie la faute aux juifs eux-mêmes, avec cette espèce d'archaïsme bigot. C'est quand même pénible, et s'il n'y avait pas ces tensions religieuses archaïques, notre société vivrait harmonieusement. C'est le discours valso-macroniste sur les musulmans, quand même. Hein. Très exactement. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que les parallèles sur l'antisémitisme libéral dans le texte de Horkheimer et Adorno, avec ce qui se passe actuellement, sont quand même assez frappants. Et en fait, ils nous disent, Adorno et Horkheimer, mais ça, en fait, c'est juste une apologie de l'ordre établi et de la domination en place. Cette domination, elle est foncièrement violente. La persécution des ordres partiels réfractaires à l'ordre général, c'est l'essence même de la domination. Or, l'ordre général, c'est l'ordre allgemein. Donc, prompte à se revendiquer, non pas général, mais universel. Voire universaliste. Et donc, il y a un lien, il y a un petit côté freudien hein, chez Horkheimer en particulier, bon, Adorno aussi, il parle du mauvais infini de la projection paranoïde du bourgeois libéral qui refuse d'admettre l'échec de l'absolutisation de sa vision du social. Et donc, il va projeter ses propres pulsions refoulées, grosso modo, c'est freudien vraiment comme passage, sur les gens réfractaires à l'ordre général. Hein, donc ça revient à une thématique très importante, en particulier chez Horkheimer, qui est l'idée que l'ordre rationnel libéral repose sur l'oppression de la naturalité, l'oppression des femmes, l'oppression des corps. Il y a tout un passage sur la maternité en particulier, hein, le contrôle, la violence, les violences obstétricales comme exemple paradigmatique, 45, hein, les violences obstétricales comme exemple paradigmatique de la mainmise de l'ordre rationnel sur le corps des femmes en tant que haine de la nature. Bon. Et donc, le mécanisme fondamental, c'est la projection sous les groupes marginaux ou dominés, en fait, des traits dits naturels qu'il s'agit de réprimer chez toutes et chez tous, et que les bourgeois libéraux répriment notamment chez eux-mêmes. D'où l'hypersexualisation et l'hypersensorialisation du corps des minorités ethniques. D'où les caricatures sur les juifs avec un gros nez, des grosses oreilles, par exemple. D'où le mythe du juif lubrique, etc. À nouveau, quand on réfléchit un peu, qu'on écoute attentivement les discours racistes qu'on entend aujourd'hui, c'est là, hein, l'hypersexualisation. Et donc, la thèse de Horkheimer en particulier, c'est que la race, c'est une citation, je n'ai pas la page, mais je peux la retrouver si vous voulez, la race, c'est la réduction à l'élément naturel. Donc là, c'est moi qui ajoute, réduction, mais en paraphrasant, de part et d'autre. C'est-à-dire que, évidemment, la victime est bestialisée, mais le bourreau lui-même devient aussi une bête. Et ce qui va être ciblé, c'est ce que Adorno et Horkheimer vont appeler les idiosyncrasies. Qu'est-ce que c'est l'idiosyncrasie ? C'est le particulier en tant qu'il n'est pas réductible au style de vie stéréotypisé par l'industrie consumériste et spectaculaire. Ce visage-là du particulier, c'est en fait la scorie d'un stade antérieur de la rationalité qui ne se laisse pas réduire à un style, à un stéréotype ou même à un folklore. Et donc, c'est odieux. Et ce qui est particulièrement odieux chez les juifs, du point de vue de l'antisémite bourgeois, c'est que le juif incarne, comme il est historiquement privé de droits, les juifs incarnent la possibilité d'être heureux sans avoir le pouvoir. Ce qui est odieux pour le dominant. Et donc, thèse, les antisémites du XXe siècle ne sont autres que les libéraux lorsqu'ils cherchent à exprimer leur profond tropisme illibéral, telle que leur soumission, leur propre soumission à la rationalité instrumentale les interdit de l'exprimer normalement, leur interdit de l'exprimer normalement. Et donc la rationalité instrumentale elle-même va se charger de leur fournir des boucs émissaires,
Et pour ça, on va sélectionner les représentants des groupes dominés ou moins intégrés à l'ordre établi. On va leur attribuer les prédicats, les attributs que l'on réprime en soi. Et ce faisant, on va pouvoir exprimer nous-mêmes ces attributs de sexualisation, de bestialité et de violence en les leur attribuant. Hein? C'est la victime qui est coupable. Et ce faisant, le coupable peut se permettre de traiter sa victime en coupable. Conclusion. On voit évidemment là quelque chose qui a tous les traits d'une critique interne de l'universalisme. Mais à bien des égards, ce n'en est pas une, effectivement. D'une part, ce n'est pas une critique interne de l'universalisme, puisqu'il n'y a pas de revendication d'universalisme proprement parlée dans ces textes. D'autre part, ce n'est même pas une critique de l'universalisme, puisqu'en fait, cette notion est totalement absente de la réflexion. Ce qui est posé en revanche, c'est ce qui rend ces textes très intéressants, au-delà de leur noirceur indéniable. Hein. C'est vrai qu'on a envie de dire, on arrête tout de suite à la fin de ces deux bouquins. C'est l'universel. L'universel comme propriété d'un jugement rationnel subjectif. Hein. Ça, c'est caractéristique de la rationalité subjective. C'est la loi de la raison en tant qu'elle essaye d'exprimer une universalisation des lois naturelles. Mais l'enjeu crucial, le moment où la bascule dialectique vers l'oppression va se faire immanquablement, c'est l'enjeu de la naturalisation de l'ordre social par laquelle on va essayer d'absolutiser l'ordre social établi contre ce que Horkheimer appelait le moment socratique et sophistique du rationalisme. La bascule, en fait, c'est le moment platonicien. Donc, on essaie de naturaliser, de rationaliser l'ordre établi, et ça, en fait, c'est le moment où la raison subjective cesse d'être émancipatrice pour devenir strictement instrumentale. Donc, l'ennemi, c'est la raison instrumentale. Du point de vue matérialiste et historiciste qui est le leur, il va donc s'agir de critiquer les cas où l'universalisation est en fait une hypostase du général. Donc on a le jeu là sur la double nature de Allgemeine. La contradiction interne qui fait tourner hein, cette dynamique et cette dialectique, elle est liée à l'existence de deux concepts du particulier. L'individuel à proprement parler, qui est soumis à la rationalité subjective, et l'idiosyncrasique en tant que moment rétif à cette rationalité subjective dans son partage instrumental. La thèse, notamment d'Horkheimer, c'est que ce partage est lui-même déterminé par la situation historique et les rapports de force. Le fond du problème, c'est donc l'absolutisation du donné concret, la naturalisation de l'ordre social abusif. Il est illusoire d'essayer de rétablir une rationalité objective. On ne fait pas tourner la roue de l'histoire en sens inverse. En revanche, il est fondamental de maintenir une critique de la rationalité instrumentale pour essayer de défendre le moment critique socratique, hein, qui est en fait le moment critique. Il parle de lui, Horkheimer, hein, quand il parle de Socrate, en fait, de lui jeune. Et là, c'est le moment où il baisse les bras, tout en disant il faut continuer. Et donc, je terminerai en citant la dernière phrase d'Éclipse de la raison, et évidemment, je l'ai perdu, donc je vais vous le retrouver tout de suite. Voilà. Si nous appelons lumière et progrès intellectuel l'émancipation de l'être humain vis-à-vis de la superstition, de la croyance crédule dans des forces mauvaises, dans des démons, dans des faits, dans un destin aveugle, bref, l'émancipation de l'humain par rapport à la peur, alors le plus grand service que la raison puisse rendre aujourd'hui, c'est de dénoncer ce qui s'appelle présentement la raison. Donc critique interne, pas de l'universalisme, mais du rationalisme. J'en ai fini. Merci Pierre-Yves. Quoi te dire là? Là, j'ai un peu de mal hein, parce que
je maîtrise pas et je connais pas l'œuvre de ces personnes. Tu viens de nous permettre de les approcher. Moi, le premier sentiment que j'ai là, hein, c'est un ressenti. J'ai l'impression de me trouver face à des codes et à des représentations et à un schéma de pensée dont je ne maîtrise pas du tout les concepts. Ou en tout cas, j'ai le sentiment d'être face à une réflexion hegelienne ou enfin une réflexion abstraite, essentiellement abstraite. Donc voilà, donc difficile si tu veux de rentrer dedans, même si je vois bien le rapport de cette école de Francfort et donc de ses représentants de l'école avec leur propre histoire et le contexte historique dans lequel ils effectuent en fait ce travail. Je ne vais pas en dire non, plus. Hein, voilà, ça rejoint un reproche qu'il aurait fait très souvent, c'est le caractère pas forcément si abstrait que ça, parce qu'il y a pas mal d'exemples, mais clos de leur pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors c'est intéressant parce que dans Dialectique des Lumières, à la fin, il passe son temps à dénoncer la mentalité de ticket où, dans un système idéologique, il faudrait tout prendre en bloc et sans faire le tri. Et en fait, eux-mêmes fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont un système extrêmement cohérent, simplement, d'abord, ils ne s'embarrassent pas trop de définitions. C'est aussi pour ça qu'on est un peu en mal d'en donner. Et donc, en gros, on entre ou on n'entre pas, on achète ou on n'achète pas. Et c'est ce qui fait la force de ce texte, de ces textes, notamment la dialectique, c'est évidemment le côté, il y a un côté monument comme ça qui se pose, mais en même temps, le prix du billet d'entrée est quand même assez, assez élevé, ça ne tolère pas la contradiction en fait. C'est ça. Gérald, tu souhaites intervenir? Oui, Pierre-Yves, si le monument est hegelien, que reste-t-il de marxiste là-dedans? Alors, il reste le volet sur l'universalisme, qui est l'angle d'attaque que j'ai pris, n'est clairement le moins marxiste de l'affaire. Il y a un sous-passage sur l'antisémitisme économique, qui est du marxisme pur et dur, puisqu'il s'agit d'expliquer que la dénonciation de la finance et de l'usure sert évidemment à cacher le mécanisme fondamental de constitution du capital, qui est l'appropriation du surtravail. Est-ce que c'est dit en ces termes-là, par exemple? Hein? Est-ce que c'est dit en ces termes-là, oui. Par exemple, ou est-ce que c'est toi qui le... Non, non, il parle de scène fondamentale de l'oppression capitaliste dans la scène... Alors, c'est plutôt du Marx jeune, hein. L'aliénation du travailleur, Überarbeit, etc. Il y a les grandes orgues, mais c'est, en fait, c'est un marxisme très hegelien parce que derrière, il rejoue discrètement ou plus ou moins discrètement la dialectique du maître et de l'esclave. Parce que situé dans l'usine. Bon. Ouais. Et puis il y a la partie sur la Grèce sur laquelle je suis passé parce que ils y parlent pas franchement de racisme, etc. Or c'est pour moi c'est quand même un peu l'enjeu autour de l'universalisme. Cette partie sur la Grèce, notamment l'interprétation qu'ils font de l'Odyssée. C'est une interprétation marxiste. La scène sur le rocher des sirènes, il ramène tout à la propriété d'Ulysse sur les corps des esclaves et les rapports de production sur le bateau qui reproduisent les rapports de propriété foncière dans la colonie agricole. C'est à nouveau, hein, c'est du marxisme. C'est ouais. Un marxisme très particulier, très Est-ce idéalisé. Ouais. Très est-ce idéalisé. Que c'est du marx... voilà. Est-ce que c'est du marxisme ou est-ce que c'est une métaphore de marxisme? C'est un peu ça l'impression quand tu rencontres de ces livres, que je ne connais pas, hein, que je n'ai pas lu, mais c'est vraiment l'impression que ça fait, c'est-à-dire que tout est exprimé dans un langage hegelien, avec un contexte, enfin tu dis l'usine, bon, voilà, il y a un contexte, une coloration marxiste, mais peut-être que c'est comme le Canada Dry, tu vois, enfin, c'est vraiment l'impression que ça me fait. Enfin, alors je cherchais le marxisme, je cherchais le lien avec le marxisme. Il y a des traces de marxisme. Voilà. Chez Horkheimer, Horkheimer est un militant spartakiste au départ, hein, donc il y a quand même,
on ne plaisante pas dans la formation, mais c'est vrai que 45, il ne reste plus rien. Et dans les 25 dernières années, après il rentre en Allemagne, il a son grand bureau à Francfort. Il y a un portrait de philosophe accroché au-dessus de son bureau. Ce n'est pas Marx, ce n'est pas Kant, ce n'est pas Hegel, c'est Schopenhauer. Thierry a demandé à intervenir. Oui. Vous m'entendez bien ? J'avais oui. Problème de son. Je vais monter le son si ça va, mais ça va là. C'est bon ? Oui, oui, on t'entend. Ok. Ma question, en fait, c'était sur. Tu as parlé à un moment donné de Sade, et je n'ai pas compris, enfin, du moins, tu pourrais préciser, en fait, pourquoi est-ce qu'il mentionne Sade ? Enfin, donc, il a fait, je ne sais pas ce qu'il avait proposé, mais pourquoi il mentionne Sade ? Qu'est-ce que ça vient faire là, Sade ? Alors, en fait, c'est parce que dans, pas dans Juliette, mais dans l'autre, Justine ou les prospérités du vice, il y a des longues dissertations philosophiques de Justine, donc qui est la sœur de Juliette, bon, la sœur rationaliste, athée, matérialiste de Juliette, de Justine, pardon. Et puis, il y a dans la philosophie dans le boudoir, le personnage de Dolmancé. Qui est quand même grosso modo une image de Sade lui-même. Et en fait, ces gens font des tartines sur quelles sont les lois de la nature. Et c'est un discours très rationaliste, très matérialiste, et ils n'ont que la liberté à la bouche. Et dans la foulée, ils vont tirer la conséquence qu'il faut torturer les petites filles. Ce qui est quand même déroutant. Et c'est déroutant parce que, y compris enfin, les activités politiques de Sade à l'époque, etc., ne laissent absolument aucun doute. Le type est persuadé d'être un représentant des Lumières radicales. Et à bien des égards, c'en est un. Hein. Ça reste une source d'inspiration pour certains, etc. C'est bon. Et voilà, les personnages qui ressemblent le plus à des porte-paroles de Sade tiennent à plusieurs reprises des moments, des discours qui paraissent très émancipateurs. Puis dans la foulée, on a des monceaux de cadavres. Bon, voilà, c'est violé et tout. Enfin, les choses les plus insoutenables sont proférées et accomplies par des honnêtes rationalistes. Pourquoi la rationalité, pourquoi il légitime ça par la rationalité et la liberté ? Mais parce qu'ils en parlent. Oui, c'est ce que disent les personnages. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment ça se fait qu'il y a des philosophes, des gens intelligents qui suivent ça. Je ne vois pas où est le côté rationnel de l'histoire. Je ne comprends pas. Ah bah ça... Oui. Oui, parce que leur thèse, hein, c'est qu'en fait, il a franchi la bascule et qu'il est sorti du camp des Lumières. Il est, en particulier, il y a peut-être quelque chose de rationnel dans la justification de la loi du plus fort, comme rationalisation de l'ordre établi, mais alors émancipateur, Sade, non, hein. Bon. Ça, évidemment. Enfin, évidemment. C'est pas évident pour tout le monde, hein, mais c'est ça, c'est leur thèse. Mais c'est, voilà, c'est le moment où quelqu'un change de camp, en fait. Change de camp par excès de cohérence superficielle. Il y a un paradoxe, quand même, ça. Ouais, ça me parle aussi. Ok, bon, merci pour les précisions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? Il y a Fabien qui essaye. Ouais. Fabien, ben écoute, vas-y Fabien, vas-y. Oui, merci de me laisser la parole et je remercie beaucoup Pierre-Yves pour cette présentation de ce courant de pensée qui, à mon avis, mérite très largement d'être réhabilité, au moins parce que c'est un système de pensée complet et qui, je crois, nous aide à réfléchir sur la possibilité de préserver chez l'unité de la pensée de Marx, y compris dans son inspiration hegélienne, même si je crois qu'on perçoit assez peu le marxisme hegélien dans ta présentation. Tu pourras peut-être préciser un petit peu là-dessus. Et puis après, la question aussi que je me pose, bah, c'est que pourquoi cette école qui est prometteuse s'est effondrée ? Parce que tu l'as suggéré en parlant d'honnête, mais moi je pense qu'Habermas aussi est un signe de l'effondrement de la pensée marxiste. Et donc voilà, est-ce qu'il y a des raisons, est-ce qu'elles tiennent à des raisons philosophiques, à des raisons politiques, ou plutôt simplement avec la perte d'influence de la pensée de Marx dans les années 80, à partir des années 80 ? Est-ce que tu as des clés de réponse là-dessus ?
Moi, non, pas vraiment. Enfin, en fait, c'est l'objet du Kouvelakis. Gros. Bon, ça marche assez bien ce qu'il dit quand même, hein, sur le fait que tout ça est nourri au départ par une réflexion sur ce que doit être la critique dans l'entre-deux-guerres, par des gens qui sont en fait... Ce n'est pas si hegelien, hein, ce n'est pas un hasard si c'est Schopenhauer et pas Hegel, hein, sur, le tableau canto-marxiste. Deuxième international. Eh bien, des égards, c'est le courant ultra-radicalisé, révolutionnaire de la Deuxième Internationale. Et ben, en fait, c'est les gens qui ont perdu, qui n'ont fait que perdre, en fait, dans l'entre-deux-guerres. Ils n'ont fait que perdre. Ils ont été totalement pris en étau entre une social-démocratie pourrie et des PC staliniens, notamment en Allemagne en plus. Ça se termine par un désastre absolu, finit en exil aux États-Unis. Bon. C'est dramatique. Et donc, en fait, Horkheimer, qui incarne au départ la veine radicale, abandonne, devient quasiment un néoconservateur. Adorno se trouve grâce à un nouveau départ, grâce à Dialectique des Lumières, et devient un représentant de la critique artiste du capitalisme. Mais en fait, cette critique, elle a ses limites quand même. Hein. Et après, effectivement, dans la génération suivante, ça se perd. Et là, le rôle d'Habermas est sans doute assez central, effectivement, hein, dans la transformation progressive de l'école de Francfort en quelque chose de... en un kantisme social-démocrate très institutionnel. Et ça dégénère, enfin, Axel Honneth, c'est intéressant, hein. Mais enfin, on peut enlever critique après théorie. C'est pas de la théorie critique, mais c'est l'école de Francfort, etc. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a une réponse en plusieurs temps à faire, en fait. Il y a, pour ce qui est de la première génération, vraiment l'échec historique. Et pour la génération suivante, oui, je pense, une mutation du paysage politique, institutionnel, intellectuel en RFA, qui se joue autour d'Habermas et de la puissance que va acquérir Habermas, qui devient progressivement, pour tout un tas de raisons qui ont aussi trait à la mutation de la gauche ouest-allemande, l'intellectuel organique de la gauche ouest-allemande, jusqu'à la réunification, grosso modo. Et ensuite, c'est pour avoir Axel Honneth. Enfin, voilà, bon, c'est la main passe. Si à un moment, l'histoire repasse pas les plats, la radicalité théorique en Allemagne, elle peut revenir de gens qui viennent de l'école de Francfort, l'école de Marbourg, par exemple. Il y avait Abendroth qui a poursuivi une ligne très marquise, etc., jusque très tard. Mais le pôle francfortois, c'est fini, parce qu'il y a une logique institutionnelle propre aussi. Ça, on ne refait pas marche arrière. Mais voilà, la thèse de Kouvelakis, c'est aussi qu'il y a une construction historique d'une espèce de mythologie d'école de Francfort, avec les trois générations. Il y a un pari institutionnel d'Habermas et Honneth de revendiquer une filiation qui n'est pas toute l'histoire. Ok, voilà qui donne envie de lire Kouvelakis, parce que je l'ai pas mal lu, mais je n'ai pas lu son dernier, son ouais. Là-dessus. Peut-être une question subsidiaire, parce que tu dis qu'ils étaient entre le marteau stalinien et l'enclume social-démocrate. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses à voir du côté de la critique gauche du stalinisme? Ils ne sont pas allés chercher de ce côté-là? Il ne semble pas trop. Alors, en fait, c'est plutôt là que... C'est plutôt de là que Horkheimer venait. Mais finalement, la trajectoire de Horkheimer, c'est aussi un très long recentrage, quoi, hein, linéaire. Donc, effectivement, lui semble pas trop être allé chercher ce côté-là. À nouveau, Benjamin leur tourne autour. Hein, et lui, il va quand même plus dans cette direction-là. Ah, mais sur un mode très particulier aussi, quand même, hein, de messianisme, bon, bref. Mais il n'y a pas d'impression monolithique à avoir. C'est vrai que Horkheimer et Adorno, eux,
ne vont pas trop voir par là. Marcuse ira aussi chercher dans des critiques de gauche du stalinisme. Mais l'école légitime, officielle, institutionnelle, patentée, etc., et c'est peut-être justement parce qu'elle est institutionnelle et patentée, hein, ne va pas trop... va pas trop aller chercher de ce côté trotskisant ou luxembourgiste. Est-ce qu'il reste une intervention ou un besoin d'éclaircissement supplémentaire avant que l'on passe la parole à Jean-Louis ? Écoute, je crois qu'on peut te remercier, hein, parce que, mais ça a été un challenge pas simple dans cette proposition. Et en tout cas, je pense qu'il faudra effectivement revenir un petit peu et puis nous-mêmes faire un effort pour s'approprier, je dirais, ce type de connaissances et de réflexions, de façon à être un petit peu plus réactif et productif dans les échanges, quoi. Voilà, oui, non, mais bon, c'est vraiment conçu comme quelque chose de clos, hein, c'est le, ce sont des maîtres penseurs. Quoi qu'ils en disent. D'accord. Merci Pierre-Yves. Donc je vais arrêter cette.